Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors, j'ai un peu avancé de mon côté. J'étais miné. Alors, j'ai récolté pas mal de ressources. Et vu qu'on avait besoin de 20 barres de copper, bah on va les faire là. Quand on aura besoin d'upgrade notre batteur manipulateur. Et voilà. Alors la prochaine étape, c'est du silver. Bah, ça tombe bien, on en a. Et comme ça, on va. 10 barres. Et voilà. Là, c'est de l'or. Bon, on n'en a pas trouvé, ni du titanium. Alors par contre, j'ai découvert ça qu'il nous fallait. Enfin, j'ai trouvé ce qu'il nous fallait pour passer prochaine étape de la quête principale et la fin de la quête tutoriel. Et on va les voir ensemble. Faire attention parce que en tombant on peut se faire super mal, mourir même. Peut-être récupérer un petit peu. Quelque j'en ai assez mais c'est toujours bon à prendre. Vous voyez déjà ça va plus rapidement. Si vous avez pu voir. Enfin, si vous avez pu remarquer par rapport à l'autre vidéo. Voilà, c'est encore plus rapide. Et je trouve l'idée assez sympa de pouvoir. Enfin, que l'outil principal soit le matter manipulateur. Alors là, vous voyez, il y a une petite lueur en bas. On va aller regarder qu'est-ce que c'est. En tout cas, moi, je sais. Vous peut-être ou pas, mais si je fais contrôle et que je descends, vous voyez les petits minerais là qui brillent? Bah justement, c'est ça qu'on a besoin. Alors c'est parti, on va aller les chercher. Alors attention parce que là vous voyez il y a des petites têtes de mort. Non, elles apparaissent pas. Mais en tout cas c'est des pics, enfin c'est des racines, des ronces qui font mal. Et là c'est cool parce que je viens de trouver du diamant. Et j'en aurai besoin pour des futures quêtes. Je vais peut-être descendre un peu plus. On va peut-être voir mettre des échafaudages. Enfin, des plateformes. Ça doit être bon là.
Ça c'est... Ah non, c'est de la vitesse. Bon, je vais plutôt aller... Ah bah de la lave. Ouais, bah, je vais miner ceux-là. Ah oui, c'est vrai, bah du coup, en fait... Alors, le premier upgrade du matériau fabricateur permettait d'augmenter la vitesse, et le second, bah, en fait, il permet de récupérer les liquides. Alors, vous voyez? Non, ça doit être par là. Voilà, je récupère l'eau. C'est assez sympa. Parce que, justement, on en aura besoin... pour une des prochaines quêtes. Je vais vous laisser... Enfin, je vais pas vous dire pour l'instant en quoi ça consiste, la prochaine quête. On le découvrira ensemble. Je vais juste récupérer mes 20 corps fragments. Je crois que la quête elle va se débloquer automatiquement quand j'aurai les 20. J'en ai combien? 16. Ah, c'est quoi ça? L'uranium, je crois. Bon, on va aller voir ça. Ah, c'est bon. Hein, c'est du diamant. T'avais une petite couleur verte au loin. Voilà, la quête qui se débloque automatiquement, comme je vous ai dit. Alors là, il demande d'aller sur un autre système, non, de visiter une autre planète sur le système solaire. Enfin, le fait de réparer le vaisseau nous permet d'aller sur notre planète du système solaire. Oh, j'en récupère encore. Ou je reviendrai un peu plus tard récupérer. On va directement aller continuer pour la quête. Aïe, ah, j'ai pas vu lui. C'est toi lui. C'est un peu long à monter. On y est bientôt. On entend la pluie déjà. Ah ouais, j'en ai profité pour planter un peu des arbres. Bon, ça, je ferai ça. Orly. Donc, nous avons nos 20 corps de fragments, du coup, on peut réparer le vaisseau. Tac, 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 un petit lapin. Alors, le vaisseau est prêt, je crois.
On need un FTP drive star. Alors bon, ça je peux pas le réparer. Alors du iridium de cristal. Alors ça, on obtient ça en faisant des quêtes. Alors on va pas s'attarder. Hop, vous voyez, la porte elle s'ouvre maintenant. Oh, on peut y accéder. Ah, ça c'est pour le carburant, ça. Alors voilà où nous sommes. Ça représenté par une petite maison verte. Et nous, on est représenté par le curseur. Bon, on n'est pas ici, on est là. C'est juste qu'elles sont superposées. Vous voyez les biomes. Alors là, c'est un biome launch. Là, c'est un biome désert. Un launch de forêt standard. Sur celle-là, on peut pas y aller. Et si vous faites la petite flèche là ou la souris, clic droit de la souris, gauche pour zoomer. Non, enfin, ouais. Donc, alors, on est ici. Et on va aller ici, là. C'est une station où ce que, il y a un portail qui nous emmène au même endroit. Et voilà, bah, du coup, le vaisseau, il se déplace. Et puis, le déplacement sur le système solaire est gratuit. On va mettre le petit diamant par là. Ça, ici. Des graines. Ça se mange, ça c'est poubelle. Voilà, on arrive. De la clé, bah ça je vais la garder parce que on peut faire des crafts avec. Normalement ça a dû nous débloquer. Non. Dans le four, ouais, ici là, faire des briques et tout, des blocs de construction. Allez, c'est parti. Vous prenez le portail, tac, et ça vous téléporte sur la station. Alors ici je peux acheter c'est une station d'essence. Ça c'est marrant parce qu'on peut acheter du liquide Hercheus fuel. On peut acheter du fuel. Et là... Ah oui c'est 500. Oui là, les prix apparaissent, il faut cliquer dessus. Et puis on peut acheter un petit peu à manger des trucs. Mais il y a un moyen de le récupérer alors. On peut aller le chercher nous-mêmes. C'est pas mal de 16. Ah, je crois que c'était plus grand. Alors là, il y a un PNJ. Et on va récupérer les quêtes. Alors là, il veut un burger. C'est une tasse. Il nous donne une table de craft. Ici, ils vendent des ingrédients. Il y a d'autres personnages qui vont nous donner des quêtes fur et à mesure qu'on avance. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est le... Oui, le fameux jeu. Bon, on pouvait pas y jouer. Mais maintenant, on peut. Alors c'est quoi, c'est un labyrinthe? Alors il y a une astuce dans les labyrinthes, c'est toujours longer le mur de droite. Au bout d'un moment, vous êtes sûr d'arriver, de sortir de votre labyrinthe. Faut jamais quitter le mur de droite. Thank you.
Oh, c'est pas tout à fait fluide. L'impression qu'on est dans la même pièce au final. Enfin, qu'on tourne en rond. Quoique ce couloir-là, il me dit rien. Viens dans un cul-de-sac. Ça devait être la salle où on était au début. Ok, non. Bon, c'est juste un véritable labyrinthe. Ah bah voilà, la sortie. Ah, j'ai drop un truc, un ticket. Il est là. Alors, people, c'est un jeu, non? Bon, on va le garder en collection. Bon voilà, le petit jeu fait. Alors normalement on peut monter en haut. Je peux pas sauter là. Alors ça du coup je sais pas du tout c'est quoi. J'avais vu ça quand je faisais de l'expérimental. Mais ça me dit rien du tout. Ah, mais on peut faire des pixel art. Changer la couleur. Ok. Ah oui, couleur c'est là. Ouais, je sais pas du tout c'est quoi. C'est peut-être pour faire Ah, pour faire nos propres Ouais, c'est pas mal. On va sortir de là. Là, vous pouvez retourner directement sur le vaisseau comme ça.
Bah du coup sur celui-là, on n'a pas fait grand-chose, mais on va pouvoir voir le reste. Alors, je vais peut-être aller miner pour trouver de l'or aussi. Non, on va le faire ensemble. Bah, je vous dis à plus et au prochain épisode. Allez, ciao.